Regardez, les filles riches et pauvres jouent avec leur maman. Regarde, elle a une maison de poupée Barbie. Maman, je peux jouer avec? Bien sûr, vas-y. Je peux jouer avec ta maison de poupée? Va-t'en. Ma pauvre fille, viens ici. Maman est là pour toi. Je sais comment te faire sourire. Je lui ai construit une maison de poupée. Il y a une surprise derrière chaque porte. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Ma première cliente. Tu reçois une manucure. Waouh! Et la deuxième porte? Du lait et des Oreos pour la jolie fille. Ouais, j'aime ça! Tu trempes les Oreos dans le lait et tu les savoures. Et la dernière porte? Oh! J'ai un mignon petit chaton! Bonjour, mon nouvel ami à fourrure! Comment a-t-elle eu tout ça? Maman, je veux cette maison de poupée! Ma mère est trop occupée à parler à son petit ami. Ce jouet qui fait pipi est tellement drôle. Maintenant, nous aussi, on veut faire pipi. Qu'est-ce qui se passe, les filles? Oh, vous devez faire pipi. Vite, vite, par ici. Bouge, fille pauvre, je passe la première. Berk, c'est tellement sale. Je ne l'utiliserai pas. Je vais te donner de l'argent. Voici une carte VIP. Waouh! Des toilettes en or! Il y a même une peinture dessus et tout est en or! Profite de ton séjour! Je vais devenir riche! Wow, wow, wow! Attends, ce n'est pas tes toilettes! Toi, tu vas ici! Berk, c'est tellement dégoûtant! Allez, chérie! Mais je peux arranger ça. Je vais utiliser cette chaussette pour couvrir le siège des toilettes. Comme ça, je n'aurai pas à m'asseoir sur des toilettes sales. Maintenant, je peux enfin faire mes affaires. Les filles ne veulent pas partager le pop-it. Oh non, il va se casser en deux. Aïe! C'est cassé! Au moins, j'en ai eu la moitié. C'est cassé! C'est ta faute! Maman! Mais qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Tu as caché le jouet de ma fille. Bonjour, j'ai besoin que vous achetiez quelque chose tout de suite. Ne t'inquiète pas, on va te trouver un nouveau jouet. Voici votre nouveau jouet. Waouh, c'est un jeu pop-it. C'est plus amusant qu'un pop-it ordinaire. Pourquoi es-tu triste? As-tu cassé ton jouet? Ce n'est pas grave, j'ai une idée. J'ai besoin d'une paire de gants et d'un morceau de carton avec 4 trous. Je vais couper les extrémités des gants. Maintenant, nous allons prendre les morceaux coupés et les mettre dans le carton. C'est comme un pop-it. Appuie sur les boutons autant de fois que tu veux. Tada! Waouh! Ça a l'air cool! C'est tellement satisfaisant! Ça ne marche plus! Hein? C'est un jouet d'imitation? Peu importe. Excusez-moi, ma fille a besoin d'un docteur. Elle s'est fait mal au bras. Pouvez-vous payer? Laissez-moi voir si j'ai de la monnaie. Wow! Oui, comment puis-je vous aider? Ma fille est blessée. Je peux payer. Tellement d'argent! D'accord, voici votre ticket VIP. Les pauvres! C'est embarrassant. Vous ferez mieux de rester loin de nous. Attendez, et nous? Pouvez-vous payer pour ça? Eh bien, tenez, j'ai trouvé une pièce. Eh bien, cela vous donne un ticket pauvre. Oh, tant pis, allons dans votre service. Les filles sont enfin dans leur chambre. Repose-toi maintenant, chérie, et je serai juste là à tes côtés. J'aimerais que ma mère prenne soin de moi aussi. Au moins, la fille pauvre est riche en amour. Tandis que la mère de la fille riche ne la réconforte même pas. Voici votre cerise. Waouh! La fille riche a son propre nourrisseur de cerises. Tu prends trop de pain. J'en veux plus. Hé, j'ai dit plus. Plus? Bien sûr. 3 d'un coup. Oh oh, tu viens de l'étouffer. Pas de souci, j'ai un appareil pour ça. Cela va aspirer les noyaux de cerises. Waouh! Oh non! Le noyau est allé directement dans la bouche de la fille pauvre. Ma pauvre fille! Manœuvre de Heimlich! Pousse! Pousse! Ouf! On dirait un noyau cerisier. Oh. Et je pense que ça vient de toi.
Bouteille de Coca-Cola, c'est à moi maintenant. Je mets une cerise sur la bouteille. Puis j'enfonce une paille à travers. Ça pousse facilement le noyau de la cerise. Maintenant, tu peux la manger sans t'étouffer. J'adore ça. La mère de la fille riche est là. Tu vois, je parie que tu n'aurais pas pensé à ça. Tu doutes de moi? Quand j'ai ce gadget, il suffit d'insérer la cerise et d'appuyer. Trop facile. Ah! Ça, c'est la vie de riche. La fille pauvre et sa mère jouent dans le sable. Je vais t'aider à faire des formes. Y a-t-il un ouragan? Il y a tellement de vent! Est-ce une échelle? Ouah! Oups, elle a fait tomber sa sucette dans le sable. Ma pauvre fille! Pauvre fille! Ma sucette a un support, donc elle est toujours en sécurité. Écartez-vous! Maman, elle a marché sur mon château de sable! Regarde, ses larmes révèlent quelque chose dans le sable. Pauvre petite! Regarde, c'est un Kinder Surprise! Secoue-le bien! Et je l'ai transformé en Ken Kinder Egg. Encore mieux, il fait aussi office de support pour sucette. Voilà! Hein? Waouh! Une sucette! Tu l'aimes? Miam! Merci, maman! Waouh! Ces deux-là s'amusent à sauter sur leur lit. Mais leurs pieds sont sales et ils tâchent les draps. Le docteur est là! Fais comme si de rien n'était. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Regardez vos pieds! Ce sont des champignons qui poussent dessus! Dégoûtant! Oupsie! Et votre peau pèle tellement! Nous pouvons la nettoyer avec une brosse à perceuse. Non! Prenez cet argent et trouvez quelque chose de mieux! Ça me va! Je vous présente la plante d'aloe vera. D'abord, nous devons la couper en morceaux. Ensuite, nous allons mettre un morceau sur chacun de vos orteils. Laissez-le reposer un moment et je vous donnerai une autre surprise. Waouh! Crème, chantilly et fraises. Nous allons en vaporiser dans ces bottes. Assurez-vous qu'elles soient bien remplies. Je ne peux pas résister à un goût. Miam! J'en veux aussi! Maintenant, ajoutons les fraises. Allez, trempez vos pieds là-dedans. Waouh! C'est comme marcher sur des nuages! C'est tellement doux! Ça chatouille mes orteils! Grattons la crème chantilly. Puis, essayons l'excédent. Vos pieds sont brillants de propreté! Je dois d'abord enlever mes chaussettes. Ça sent mauvais! Je vais utiliser mes bons vieux crocs. Je vais les remplir de dentifrice à la menthe puisque je n'ai pas de mousse. Maintenant, j'ai mes propres chaussures de nettoyage, tout comme les bottes de la fille riche. C'est comme une journée au spa. Waouh! Mes pieds sont tellement bons! Les filles riches et pauvres ont été jetées en prison. Mangez! Je prends le burger. Je prends la pomme. Je suppose que ce n'est pas si mal. Miam! Aïe! Ton visage a l'air tellement drôle. Je vais prendre une bouchée. Hein? Mes dents sont tombées! Y a-t-il des boulons dans le burger? Hé! Hey, qu'est-ce qui ne va pas avec vous deux? Voici de l'argent pour réparer mes dents. D'accord, je vais passer un coup de fil. Cette fille a besoin de se faire réparer les dents. Sors d'ici, fille pauvre. Je vois qu'il te manque quelques dents. Nous pouvons arranger ça. D'abord, nous allons verser ces granulés. Ensuite, j'ajoute de l'eau. Mélangeant jusqu'à ce que ça devienne dur et collant comme ça. Maintenant, je vais le mouler en forme de dents. C'est comme jouer avec de la pâte à modeler. La dent est prête. Essayons-la sur toi. Waouh! Une dent en or! J'aime ça! L'argent, s'il vous plaît. Super! Au revoir! Puis-je aussi me faire réparer ma dent? Elle est branlante. Oh! Je vais la tirer avec des pinces. Oh! J'ai une idée. Reste juste ici. Viens ici, Chase. Par ici, mon pote. Je vais enrouler un fil autour de ta dent et arracher l'autre extrémité au harnais.
Maintenant, fais-lui poursuivre ce jouet qui couine. Voici le moment de vérité. Attrape! Le voilà parti! Maintenant! Oh, elle est partie! Yay! Hourra! Ça ne ressemble pas à grand-chose. Je sais, je vais te donner mon chewing-gum et le façonner en forme de dent. Voyons si ça te va. Eh bien, c'est un peu travers, mais au moins tu as toutes tes dents. Regarde tes chocolats. Je n'aime pas partager. S'il te plaît. C'est tellement sucré. Oh, j'en veux un. Waouh, tu les manges si vite. Berk. Ton visage est en pagaille. Hein? Oh non! Regarde-toi, ta mère va me tuer si elle voit ce désordre. Tu ferais mieux de te nettoyer tout de suite. Vite, va au lavabo. Lave-toi les mains. Elle n'est pas là. Je veux juste un chocolat. Juste goûter. C'est le paradis. Je ne peux pas m'en empêcher. Je dois tous les manger. Je suis tellement rassasiée. Attends, je les ai tous mangés? Elle va me tuer! Oh, je sais. D'abord, je vais avoir besoin de ces noix. Ensuite, un pot de Nutella. Je vais verser les noix dans le pot. Bien secouer et ils ne sont pas encore de retour. Dépêche-toi de te laver le visage. Ouvrons-le à nouveau. Cela ressemble à un chocolat Ferrero. Non, non, non. Assez pour moi. Je dois le remplacer avant que la fille riche ne revienne. Je vais juste mettre le chocolat sur le papier d'emballage et le replier. Voilà, il a l'air comme neuf. Et c'est fait. Oups, mieux vaut cacher le pot. Elle revient. Je veux mes chocolats. Voilà. Mon petit plaisir sucré. Oh oh, est-ce que la fille riche va remarquer quelque chose de différent? Voici le moment de vérité. Délicieux. Yay! Je veux dire, je n'ai rien fait. Je me demande quel tatouage je devrais choisir pour mes cheveux. Vous avez pris une décision? Celui-ci. Bon choix, je reviens tout de suite. Où est-il allé? Je suis votre coiffeur maintenant. Commençons. D'abord, je vais brosser vos cheveux et m'assurer qu'ils soient plats. Je vais appliquer doucement le tatouage et le vaporiser avec de l'eau. C'est l'heure de la révélation. Waouh, c'est un design très cool. J'adore mes nouveaux cheveux. Je suis jalouse. Oh, j'ai ce stylo. J'ai besoin d'un bol. Je vais commencer par souffler l'encre du stylo. Ensuite, je vais la mélanger avec un masque capillaire. Continue à remuer jusqu'à ce que ça devienne une teinture pour cheveux. Maintenant, je prends un peu avec mes doigts et je l'applique sur mes cheveux. Je m'assure de bien couvrir chaque mèche. Ensuite, je l'enveloppe dans du papier aluminium. Je laisse reposer un moment. D'accord, il est temps de l'enlever. Regarde, les couleurs sont si vives. Waouh, mes cheveux arc-en-ciel sont si jolis. Voici donc ta chambre d'hôpital. Elle est un peu poussiéreuse, mais elle fera l'affaire. Ce lit est si confortable. Achou! De la morve sur le lit. C'est le lit de la fille riche. Ton lit est là-bas. Tu vois, ses draps sont en or. Tu dois préparer le tapis rouge. Bienvenue. Voici ton argent. Merci beaucoup. Quoi? Avant que j'oublie, veux-tu accrocher une photo de toi? Ma maman me manque. Riche contre pauvre à l'hôpital. Bon, les enfants, je vous ai préparé un bain. Vous puez. C'est mon bain. Non, c'est le mien. Ah! Stop! Tu recules. Madame? Merci! Ce bain est tellement amusant! Je vais te faire un shampoing sur la tête. Aïe! J'ai du savon dans les yeux!
Ne t'inquiète pas, tu as une couronne spéciale. Elle empêchera le savon de pénétrer dans tes yeux. Docteur! Qu'est-ce qu'il y a? Où est mon bain? Voyons. Qu'est-ce qu'on a? Une serpillière et un seau? Je sais, c'est ce que tu vas utiliser pour te laver. C'est pas possible! Oh! Entre! Il ne se passe rien ici. Tu as des problèmes de salle de bain? Je peux t'aider. Je vais juste tremper ma serpillière dedans, puis l'utiliser pour nettoyer ton corps. C'est simple et rapide. Waouh! Je suis propre! J'aimerais te faire un cadeau. C'est un collier parfumé. Waouh! Ils sont si bons! Je l'adore! Le sol est si froid que mes pieds sont littéralement gelés. Quelle pantoufle dois-je porter? Non! 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 Qu'est-ce qui ne va pas? Toutes mes pantoufles sont moches! Fais quelque chose! Ah ah! Regarde les talons en rouge à lèvres de Barbie! Je vais enlever le talon de cette chaussure et le remplacer par du rouge à lèvres. C'est très avant-gardiste! Ces chaussures sont tellement uniques! J'adore ça! Je me sens comme un mannequin! J'ai envie de mettre du rouge à lèvres! Heureusement que j'en ai sous ma chaussure! C'est si facile! Je suis tellement intelligent! Hein? Docteur! Oh. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Peux-tu aussi me donner de nouvelles pantoufles? Eh bien, nous pouvons aussi nous inspirer de ta Barbie! Des pantoufles en mousse! Je sais! Prépare un tapis de puzzle et découpe une forme de pantoufle. Fais de même avec d'autres tapis et empile-les. Place une tangue sur le dessus. Et tu as ces pantoufles géantes. Et voilà! Waouh! Elles sont si confortables! Une sucette géante! Aïe! Elle m'a cassé une dent! Je déteste cette sucette! Donne-la-moi! Même si elle est pleine de saleté et de poussière! Hein? Ma dent est cassée! Qu'est-ce que c'est? Ma dent bouge! Laisse-moi regarder de plus près! Je vois! Il faut que je me rapproche encore plus! Comme en entrant dans ta bouche! Ah! La voilà! Je vais la remplacer par une dent en or! Il est temps d'y retourner! Comment trouves-tu ta nouvelle dent? Waouh! Elle est si brillante! Hey! Et voilà! Oui! Tu peux m'aider aussi? Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin qu'on me répare ma dent! Tu es vraiment sale! Je paierai aussi! Ah! Très bien! Oh! Ça pue dans ta bouche! Je ne veux pas faire ça! Non, je m'en vais. Oh non! Hein? Un pistolet nerf? J'ai une idée. Je vais attacher le filage de mon pull autour d'une balle et attacher l'autre extrémité autour de ma dent. Quand je tirerai sur ce truc, il prendra ma dent. Qu'est-ce que... Tu as failli me toucher! Désolée! Ce jouet est à moi! C'est le mien! Aïe! Les filles ont tiré trop fort et se sont fait mal. Est-ce qu'elles vont bien? J'ai mal au poignet. Il y a une coupure. Pensons-la. Pas question. Tu peux prendre tout l'argent si tu m'apportes un meilleur pansement. C'est la trousse de la fille riche. Waouh! Un pansement fait de diamants. Et un spray de guérison spéciale. Tu recevras une sucette en or pour ton courage. Waouh! Docteur! Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Traite-moi aussi! Je n'ai pas besoin d'un dollar! Ma blessure! Hein? Oh! J'ai trouvé ce pansement usagé! Je suis sûre qu'il fera l'affaire! Mais la poussière ne le laisse pas coller! Ah! Est-ce que c'est un chou? Hé hé hé! J'ai un plan! Laisse-moi t'apprendre quelque chose sur le recyclage! Sortons ce chou de la poubelle! Ensuite, nous utiliserons une des feuilles pour couvrir ta blessure. Je n'arrive pas à croire que ça ait marché. Je savais que ça marcherait. Et en plus, ça a bon goût. Quel est ce bruit?
C'est une ombre effrayante. Il y a un monstre sous mon lit. Pourquoi tu cries? Il y a un monstre. Il est aussi sous mon lit. Les filles ont immédiatement appelé leur mère. Maman, viens s'il te plaît. Je suis là, chérie. Je suis venue aussi vite que j'ai pu. Réponds-moi. Qui m'appelle à cette heure-ci? Ma fille? Oh, arrête de me déranger. J'ai besoin de mon sommeil réparateur. Oh non, je suis seule. J'ai pitié d'elle. Tiens, c'était pour quoi faire? J'ai apporté un spray anti-moustique. Allez, viens. D'accord. Tu peux essayer de pulvériser toi-même. D'accord. Je me sens vraiment en sécurité maintenant. Ne vous inquiétez pas, les filles. Personne ne vous fera de mal. La fille riche est très malade. Tu dois prendre des médicaments. Je n'aime pas ça. Oh, ce sont des M&M's. Tu viens de me donner une idée. Regarde cette machine à griffes. Je mettrai le médicament avec les bonbons. C'est un jeu génial. Celui-ci semble le plus facile à obtenir. S'il vous plaît, obtenez-le. Oui, j'ai réussi. J'ai obtenu des bonbons. La fille riche a réussi à prendre le médicament. Tu devrais te sentir mieux en un rien de temps. Aïe, c'est de la morve. Wow. Oups. Petite morveuse. Attends, j'ai quelque chose dans ma poche. Deux gousses d'ail. Mets-les dans ton nez et aspire toute la morve. Oh là là, ça fait beaucoup de morve qui sort. Il ne faudra pas longtemps avant qu'il n'y en ait plus. C'est tellement rafraîchissant. J'ai tout ce qu'il faut. Burk, éloigne ça de moi. Je m'en vais d'ici. La nourriture est là. Je vais d'abord servir la fille riche. De l'argent en échange d'une délicieuse nourriture. Tu as droit à du poulet frites, un hamburger et des sushis. C'est délicieux. C'est tellement bon. Je veux le hamburger cette fois-ci. Et le poulet, c'est juteux. J'ai besoin de manger. Qu'est-ce qu'il y a? Moi aussi, je veux manger. Eh bien, tu peux prendre ce riz avec du ketchup. Quoi? Je n'aime pas ça. Très bien. Ah, tu as du fromage fraîchement sorti de ma chaussure. Je parie que tu n'as jamais rien goûté de tel. C'est ça? Ça pue. Je suis jalouse de ta nourriture. Est-ce que c'est un ours en peluche? J'ai une idée. Je vais prendre du riz et faire une boule. Je vais aussi faire d'autres formes. Ensuite, je roulerai le fromage et je le mettrai dans une assiette. C'est un oreiller pour le riz en forme d'ours en peluche. Je vais ajouter des sourcils et un museau avec le fromage. Et un autre morceau de fromage pour la couverture. Ma nourriture a l'air si mignonne. J'ai hâte de prendre une bouchée. Mmh, c'est délicieux. Hein? Ma nourriture est si ennuyeuse. Je ne peux pas manger tous ces chocolats. Je vais tous les jeter sur le lit de la pauvre fille. Tous ces chocolats pour moi? Regarde ta tête. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des boutons? J'ai besoin d'un miroir. C'est tellement moche. Attends un peu. Moi aussi. Je veux tous les tuer. Berk. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je m'occuperai de la pauvre fille plus tard. Oh mon Dieu, ton visage! Je vous donnerai une barre d'or si vous réparez mon visage. J'ai trouvé! Une casserole? C'est pour la barre d'or. Je vais la faire fondre jusqu'à ce qu'elle devienne liquide. Comme ça. Ensuite, je tremperai mes doigts dedans et je l'appliquerai sur tous tes boutons. Je dois m'assurer que tout ton visage est recouvert. Un masque de beauté en or. Parfait. Moi aussi. Pas question, seulement pour les gens riches. Prends ça. Qu'est-ce que je vais faire avec une plante? Oh, je sais. Je vais prendre des mottes de terre et me les mettre sur le visage. Un masque de boue. Je peux l'enlever maintenant? Il m'a vraiment débarrassé de tous mes boutons. Waouh! Mon astuce a fonctionné aussi! On dirait que la fille mijote quelque chose.
Miam, j'ai toujours voulu manger du rouge à lèvres. Waouh, on dirait de la pâte à modeler. Parfait, remettons ça à sa place. Vite, cache-toi. Je vais me mettre du rouge à lèvres. Mais pourquoi c'est tout écrasé, ça? Ils sont tous les deux détruits? Qui a fait ça? Je crois qu'on a trouvé les coupables. Les filles vont-elles se faire disputer? C'était une édition limitée. Une seconde, je sais. Majordome? N'en dites pas plus, madame. Voici un rouge à lèvres au chocolat géant. Prêt à être mangé. Miam! C'est trop bon! Oh là là! Moi aussi, je suis bouche bée. Tu veux du rouge à lèvres? Je sais. Moi aussi, je peux en fabriquer. Rien de plus simple avec de l'adhésif double face. J'en découpe un bout et je le colorie en rouge. Puis, je le roule. Ensuite, je fais un plus grand rouleau noir. Je glisse le rouleau rouge à l'intérieur du noir. Et voilà! Un rouge à lèvres aussi vrai que nature. Quant à la fille riche, tout ce sucre lui a donné mal au ventre. Si mal qu'elle a besoin d'un médecin. Eh bien, c'est embarrassant. Il faut que je l'attrape. Waouh, même les crottes de nez de la fille riche sont luxueuses. Je vais essayer. Burk, c'est juste de la morve normale. Qu'est-ce que vous faites toutes les deux? Burk, Mia! Heureusement que j'ai un petit billet pour te nettoyer. Tiens, joue avec ça. Waouh! Regarde toute cette morve! Moi aussi, je veux jouer! Non, tu ne touches pas! Eh, ne sois pas triste, ma chérie. Méchante! Voyons une seconde. Regarde, cette peluche Peppa toute déchirée. On va commencer par lui enlever le nez et y attacher un élastique. Comme ceci. Ensuite, je remplis un sac transparent avec du slime. Je le referme, on dirait un squishy. Et je le mets dans le nez. Regarde, la morve sort du nez. Toute gluante. J'ai un nez de cochon. Waouh, regarde toute cette morve. Oh, c'est dégoûtant. Waouh, oui. J'adore, maman. C'est l'heure de notre manicure. Je m'ennuie. Oh, un moment, mademoiselle. Oh, il a laissé le vernis. C'est ma chance. Je vais m'entraîner. Heureusement que maman riche est concentrée sur le magazine. Oh non! Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que j'ai mis la main dans un pot de moutarde! Donne-moi ça! Regarde ce que t'as fait! Oh! Je dois arrêter ce cri! Une minute! C'est une main en plastique, ça! Regarde, tu peux t'entraîner sur cette main! Essaie de vernir les ongles et pas les doigts! Je suis jalouse! Voyons ce que je peux faire, ma chérie! Me reste-t-il de l'argent? Je ne pense pas qu'un centime soit assez. Ok, me revoilà avec un outil spécial. Il vient d'arriver. Je vais jeter la boîte. Et qui trouve garde? Un carton. J'ai une idée. Je commence par tracer la forme de ma main sur le carton. Et je fais des petits trous au bout des doigts. Ensuite, je coupe un bout de papier en bandes. Le papier va dans les trous. Et on attache l'excédent à l'arrière de la main. Voilà! Une main faite maison. Wow. Tu peux lui couper les ongles et les vernir. Utilisons tes feutres. Je vais utiliser plusieurs couleurs. Waouh, tu peux même les faire pousser. Et les recouper. Pas besoin de trucs sophistiqués pour que ça marche. Une veillée autour du feu de camp, avant que le cauchemar commence. Un monstre vert de terre? Je t'ai eu! C'était juste un bonbon géant. Voici ta friandise, Mia. Trop bon! Sérieux? Moi aussi, je veux un bonbon géant. Quoi? Un bonbon géant? Mais je n'ai que du lait. Une seconde, j'ai une idée. D'abord, je verse le lait dans un ramequin.
puis j'y ajoute de la gélatine. Et du colorant alimentaire. Je mélange le tout et je mets ça dans un verre. N'oublions pas les pailles. On laisse durcir et on appuie sur les pailles pour faire sortir les verres. Plutôt cool, non? Tiens, ma chérie. Pas mal, mais peut mieux faire. Encore des friandises. Ce sont des Oreos, cette fois. Trop bien, cette nuit en camping. Oh, c'est pas vrai. Ma fille est encore plus jalouse. Un pot? Que fabrique la maman pauvre, maintenant? Je vais remplacer le terreau par des biscuits écrasés. Comme ça. Ensuite, je place les verres par-dessus. La meilleure de toutes les friandises. Tiens, c'est pas mal, ça, pas vrai? Voyons. Waouh, c'est délicieux! J'en veux d'autres! Meilleure friandise du monde! Elle mange des vers de terre? C'est toujours sympa d'éclater des boutons. J'en ai marre, j'ai plus de boutons à éclater. Hein? Un énorme bouton sur le front de maman? Accroche-toi, bouton! Mia à l'attaque! Quoi? Qu'est-ce que tu veux faire à mon visage, Mia? Attends que je regarde. Ok, prends ça à la place. Waouh! J'ai trop hâte d'essayer ce jouet! En attendant, il faut que je couvre ce bouton avec du maquillage. Essayons ce jouet! Je vais l'épiler. C'est génial! Yes! J'ai enfin attrapé la souris! Maintenant le pain. Aha! Un sandwich à la souris pour le déjeuner. Non, je veux ce jouet! Oh, Hailey! Voyons ce que je peux faire. Une bouche pour s'entraîner au maquillage? Je sais. Je reviens tout de suite. Je la prends. Merci. Maintenant, j'enlève le rouge à lèvres et j'ajoute des poils. Je me sers d'un fil très fin. Je le coupe bien court. C'est parfait pour Mommy Long Legs. Ensuite, je remplis ces ballons avec du faux pu. Je ne pense pas que Mommy Long Legs soit très satisfaite de ces changements esthétiques. Tiens, ma chérie. Amuse-toi. Waouh, ça a l'air super! Commençons par les poils. N'oublie pas d'éclater les boutons aussi. Génial! Oh mince! Le pu a atterri directement sur la maman riche. Toi! Désolée, maman riche. Jouer aux jeux vidéo en mangeant, c'est naturel. Mais regardez-moi ces saletés. Oh là là! Oh, Mia! Oh non, vite! Il faut nettoyer ça! Heureusement que j'ai cette mini souffleuse. Tiens, ma chérie, sers-toi de ça. C'est la tempête! Là, sur le clavier. Aïe, aïe, aïe. Je peux souffler toutes les miettes! Waouh, mon clavier est comme neuf! Parfait! Maintenant, je recommence. Quoi? Hailey! Regarde ces saletés! Oh, ne t'inquiète pas, maman. Je m'en charge. Ça ne va pas le faire. Il faut faire quelque chose. Hé, je sais! Tous ces trucs gluants sous ma chaise peuvent nous servir. Je fais une boule. Ok, c'est bon. Ça colle tellement que ça va enlever toutes les miettes. On soulève doucement. Et voilà! Plus de miettes! Impeccable! Check, maman! Yes! Le slime marche à tous les coups! Des fruits? Burk, pas question! Mais il te faut des vitamines! Ah ouais! C'est vrai, je sais quoi faire! Ce petit spray! Il me faut juste une pastèque. Je rentre le spray dedans. Et je fais pchit! Plus il y a de fruits, mieux c'est! Alors je prends cette orange et je fais pareil! Tiens, ma chérie. Oh, c'est rigolo. Je vais goûter l'orange aussi. Pas mal. Super. Maintenant, débarrassons-nous de ces chips. Oh, c'est quoi? Un tube de Pringles? Oh non, il est vide. Mais il pourrait peut-être nous servir. Je rentre le tube dans le milieu de la pastèque. Quand je le retire,
j'obtiens la meilleure partie de la pastèque. On coupe tout ça et ça nous fait des bâtonnets de pastèque. Parfait pour une journée ensoleillée. Juteux et délicieux. Waouh, j'ai trop hâte de goûter. Si sucré. Cette Barbie conduit comme une pro. Et elle ne sait pas éviter les squishies. Oh non, maman! Quoi encore, Mia? J'ai écrasé un squishie. Aucun problème. En voici plein d'autres. Super, je les veux tous. Chute de squishies. C'est trop bien. Je peux détruire tout ça. Hé, hey, c'est quoi? Oh, j'aimerais bien avoir des squishies. Oh, ma chérie, ne sois pas triste. Je sais. D'abord, je plie un bout d'adhésif double face en deux. Puis, je mets ces orbes dans une seringue. Ensuite, je les transfère dans l'adhésif et je le remplis. Et notre squishy est prêt. Tiens. Waouh, c'est génial! J'adore ce squishy! On dirait qu'il y a une lutte acharnée. Les filles ne veulent pas partager Peppa Pig. Elle est à moi! Qu'est-ce qui est arrivé aux lumières? Maman, c'est si effrayant! Je sais, laisse-moi réfléchir à quelque chose. Pourquoi maman a-t-elle besoin de Peppa Pig? D'abord, il faut que j'enlève un peu de son rembourrage. Ensuite, je vais y mettre des guirlandes électriques. Remettons tout son rembourrage en place. Waouh, Peppa Pig brille de mille feux. Il fait si sombre. Maman, j'ai trop peur. On a besoin d'une lumière. Ah ah, une idée brillante. Cette jolie lampe change de couleur chaque fois que tu la presses. C'est trop mignon. C'est tellement mou. Nos mamans savent comment rendre la journée d'un enfant agréable. Que fait notre fille riche? Ce filet est tellement rebondissant. J'en veux un. Je veux voir le ballon à l'intérieur. Oh oh, le ballon s'est envolé. Elle a atterri sur moi. Waouh, elle est si brillante. Donne-la-moi, c'est pas à toi. Oh. Je nettoie juste le bocal à poisson. Hé, hey, tu peux pas prendre ce qui n'est pas à toi. Oh, pauvre petite chose. Attends, une éponge en maille et des billes? Je sais. Laquelle dois-je choisir? La bille rouge. Il est maintenant temps de faire un peu de bricolage. Découpe un morceau de filet dans l'éponge et place la bille à l'intérieur. Enveloppe-la et assure-toi qu'elle est bien fixée en chauffant le filet avec un lisseur à cheveux. Fais-le aux deux extrémités. Voilà, un jouet enfilé avec une bille. C'est exactement ce que je voulais. Merci, maman. C'est tellement rebondissant. J'adore ce jouet. Je suis contente que tu l'aimes. Les filles s'ennuient dans la salle d'attente de l'hôpital. Oh mon Dieu! Ce type a un énorme bouton. J'ai envie de le faire éclater. Qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas à ça. Un bouton! Non, arrête d'essayer de faire éclater mon bouton! Je m'en vais d'ici! Oh oh, les mamans sont en colère! Tu ne dois pas toucher au bouton d'un étranger! Quoi qu'il en soit, j'ai quelque chose pour toi! C'est un petit homme des cavernes! Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voici une pince à épiler! Tire sur ses points noirs! Il a besoin de ton aide! Waouh, c'est trop cool! C'est tellement extensible! Je vais en retirer plus. C'est tellement satisfaisant. Tu as réussi? Waouh, bon travail. Et moi? Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas de gadget. Laisse-moi regarder dans mon sac. J'ai trouvé quelque chose. Un bâton de colle? Je dois couper le haut du bâton de colle. Enveloppée dans du film plastique. Je vais presser le tout comme de la pâte à modeler. Ma douce fille. Qu'est-ce qu'elle fait?
Quand la colle est bien aplatie, mets-la sur une feuille de papier et roule-la. Plie les côtés et fais un trou avec une épingle. Quand tu le presses, la colle sort comme le pus d'un bouton. Presse! C'est pas possible! Ne la regarde pas! Yay! Mon propre éjecteur de boutons! Tu es maintenant une experte en matière d'éruption de boutons. Oh là là! Y a-t-il quelque chose derrière les feuilles? T'entends ça? Pourquoi les feuilles bougent-elles? Allons voir! C'est tellement excitant! On doit toucher! Les épines piquantes ont donné des échardes aux filles! Oh non, tu as des échardes! Maman! Des échardes? C'est une urgence! Je vais appeler de l'aide! Hein? On dirait un hélicoptère! Faites-le descendre lentement, s'il vous plaît! Une trousse de premier secours a été déployée! Enfin, ils ont la pompe que j'avais demandée! C'est parti! Facile, je vais juste pomper toutes tes échardes! Rapide et indolore, n'est-ce pas? Je me sens tellement mieux! Maman, aide-moi! Je sais, j'ai une vieille trousse de premier secours ici! On peut utiliser une seringue! C'est vraiment effrayant! Je peux pas regarder ça! N'aie pas peur! Ce sera rapide et facile! Tu vois? Waouh! Je te l'ai dit, y a aucune raison d'avoir peur! J'ai mal aux dents! Oh non, il faut appeler le dentiste! S'il vous plaît, venez vite, docteur! Je suis là! Aidez ma fille, s'il vous plaît! Oh ma chère, je vois une dent pourrie! On doit l'enlever! Fais en sorte que ce soit indolore! Je donnerai plus d'argent s'il le faut! Pas de problème, commençons! Je vais utiliser une pince à épiler pour extraire la dent! On tire un peu dessus et c'est parti! Ouais! Ta petite souris va adorer ça! Pourquoi ne pas la mettre dans un pendentif pour la conserver? Mets-la dedans! Et la dent est en sécurité! C'est tellement joli! Je vais garder ma dent en sécurité! Merci, docteur! C'est tellement beau! J'ai mal aux dents! Docteur, vous pouvez nous aider? Il faut d'abord payer! Payer, mais j'ai pas d'argent! Réfléchis! Un arc et des flèches? Je vais enrouler une extrémité de cette ficelle autour de ta dent et attacher l'autre extrémité à la flèche. Quand tu tireras, elle arrachera ta dent avec elle! Je pense pas que je puisse faire ça! Tu peux le faire! C'est parti! Ça a marché! Ma dent est partie! Joli coup! Yay, fais-moi voir la dent! La voilà! Faisons un pendentif! Mets la dent dans un moule et remplis-le de colle. Ajoute des paillettes roses et mélange le tout. Ajoute des paillettes vertes pour que ça brille. Le pendentif est terminé! Un bon vieux pendentif en résine! Essaie-le maintenant! Waouh, c'est tellement joli! Je suis une fashionista! N'importe quoi pour ma fille! Waouh, ce slime est tellement gros! Faisons-lui faire un tour! Comme un tapis magique! Il s'est transformé en une énorme bulle! Waouh, c'est tellement énorme! Je veux la toucher! Oh là là, explosion de slime! Mes vêtements de marque! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! C'est tellement visqueux et dégoûtant! Il y en a partout sur mes vêtements! Les filles! Qu'est-ce que vous avez fait toutes les deux? Oh, je sais comment régler ce problème! Majordome! À quoi sert cette nanobande? Je vais construire une forme de tranche de pastèque à l'aide du nanoruban adhésif. Maintenant, je vais mettre du slime rouge et bien le pétrir. On ajoute du slime vert au sommet. Voilà, du slime pastèque! C'est tellement mou! Waouh, j'adore! Je m'amuse beaucoup avec mon nouveau jouet, contrairement à la pauvre fille! Maintenant, je suis jalouse, maman! Je veux un squishy pastèque! Je n'ai pas l'argent pour en fabriquer. Attends, une vraie pastèque? Il est temps d'improviser. D'abord, je vais couper l'écorce de la pastèque en morceaux et les mettre dans le mixeur. On fait tourner jusqu'à ce que la pastèque se transforme en jus. On prend une passoire et on verse la pastèque. Il nous reste plus que le jus. Ajoute maintenant un peu de gélatine en poudre et mélange le tout. Ça devrait suffire. Laisse congeler et le tour est joué. C'est une gelée de pastèque! Je sais qu'elle est trop grosse, alors on va découper en deux. Ensuite, on coupe en morceaux. Tu vois, tout comme une vraie pastèque. 5 points pour une bonne présentation. Et voilà,
Waouh, de la gelée de pastèque! Et en plus, je peux la manger! J'ai à la fois un jouet et un goûter! Quoi? Moi aussi! Aouh! Je peux pas la mordre! Ces pauvres filles m'ont encore doublé, hein! Chérie, regarde, je t'ai apporté des ballons! Waouh! Mon chiot en peluche pourrait s'en servir comme d'une laisse, non? Reste ici! Mange ta glace! Miam! Oh non! Les ballons s'envolent avec le jouet du chiot! Chérie! Attends! Mon chiot, il vole! Tout est ta faute, maman! Tu n'aurais jamais dû me donner ces ballons! Je suis désolée, laisse-moi me rattraper! Je sais, je t'achèterai un nouveau jouet chiot! C'est tout ce que j'ai! Cette chaise de la Pâte Patrouille, mais il vaut 200 $! Je pense que j'en ai assez! J'aimerais acheter le jouet Chase, s'il vous plaît! Impossible, pas assez d'argent! Je vais le payer! Oh, de l'argent! Chase est à moi! Ça craint d'être toi! Je voulais vraiment ce jouet! Je suis rentrée, regarde ce que j'ai pour toi! C'est Chase de la Pâte Patrouille! Je l'adore! C'est mon nouveau meilleur ami! Pourquoi ma fille est-elle triste? Tu veux un jouet chiot, hein? Voyons voir! C'est un vrai chien? Pauvre chiot! Tu aurais besoin d'un relooking! Tu es maintenant un agent de la Pâte Patrouille! Tu aimes? C'est le vrai Chase de Pâte Patrouille! J'adore! Tu seras un excellent officier, mon pote! Je ne veux pas d'ours en gélatine, c'est trop petit! Trop petit? Pas de problème, j'ai un ourson plus grand! J'en veux pas non plus! Toujours pas? Que dirais-tu d'un ours en gomme extra large? Toujours trop petit! Celui-ci est plus lourd qu'un rocher! Oh, c'est ce que je veux! Donne-moi, donne-moi! Il est tellement gros! C'est délicieux aussi! Je veux un ours en gomme! Qu'est-ce que c'est? Wow! La nourriture! Sors de là! Je sais ce qu'il faut faire! Eh bien, c'est une réserve inépuisable d'oursons en gomme! La pauvre maman se faufile et en prend quelques-uns! Je les ai tous! Je vais les mettre dans un grand bol et verser de l'eau chaude dessus! Ça devrait suffire! Maintenant, on attend que les ours fondent! Regarde ça! Ça commence à être humide! Et il va se transformer en un ours en gomme géant! Démoulons-le! Voilà! Un joyeux ourson géant en gomme pour toi! C'est incroyable! Je sais même pas par où commencer! Les oreilles alors! Il est trop mignon! Il a des oreilles savoureuses! Je suis contente que tu aimes! Ça te donne un sentiment de bien-être, non? C'est l'heure du déjeuner! 10, 20... Aouh! Ça fait mal! Ma fille est blessée! Oh mince! Ses mains sont enflées! Ma pauvre petite! Faites quelque chose! Je sais! J'ai un gadget de sécurité! Ça va empêcher la porte de se fermer complètement et les doigts ne risquent plus rien! Achou! Oh là là! Bien visé! Attends que j'essuie cette morve! Arc! Oh là là, tu as de la fièvre! Il te faut du spray pour la gorge! Ouvre grand! J'en veux pas! Voyons! Ah ah! Un candy spray! Hein? Déjà vide? Qui trouve garde? Candy spray et spray médicinal? Je sais quoi faire! J'ai un candy spray pour toi! Ferme les yeux! Maintenant, je le remplace par le spray pour la gorge! C'est bon le candy spray, n'est-ce pas? Les cheveux de Barbie sont trop longs de toute façon! Je m'ennuie! Je vais chercher autre chose à raser! Pourquoi pas les cheveux du majordome? Cible en vue! Des cheveux? Mais ce sont... mes cheveux! C'était quoi ce bruit? Mes cheveux aussi ont été coupés! Non! Donne-moi ça! Ne joue pas avec le rasoir! Majordome, allez lui acheter un nouveau jouet! Je vais voir ce que je trouve! Voilà! Il a besoin d'aller chez le coiffeur! Ce sont des cheveux plaido! Attention à ne pas les confondre avec des spaghettis!
Ce jeu n'a aucune limite. Je vais ouvrir mon propre salon de coiffure. Charlotte se sent élégante aujourd'hui. Mais elle préfère recouper les cheveux de quelqu'un d'autre. Oh oh, cible en vue. Elle n'hésite pas à couper tout ça. Hein? Ça chatouille. Des ciseaux? Des cheveux? Qu'est-ce que tu as fait à mes cheveux? Ah! De la laine? On dirait que maman a une idée. Elle coupe un bout de carton en forme de tête, puis ajoute un visage pour en faire une poupée. Maman se sert d'une aiguille pour faire des trous dans la tête de la poupée. Enfin, elle passe la laine dans les trous et les noue, comme ceci. Pas mal! Cette poupée a besoin d'une coupe. À toi de jouer, ma chérie! Je l'adore! Je vais lui faire une nouvelle coiffure! Quant à la frange de maman, elle va peut-être s'y faire. J'ai envie de faire pipi! Attends, ne t'assieds pas sur les toilettes. Elles pourraient être sales. Voyons s'il n'y a pas de bactéries avec cette loupe. Tu vois? Berk! Majordome! Il faut nettoyer les toilettes, pas de problème. Vous êtes sûr de maîtriser? Je commence par mettre du désinfectant sur le siège. Parfait! Puis j'ajoute une bombe de bain pour faire de la belle mousse. Et je tire la chasse. Je mets des fleurs en gel pour une bonne odeur. Ça fait aussi une jolie décoration. Tadam! C'est bien gentil, mais Ellie s'impatiente. J'ai presque fini, promis. Il faut juste mettre la housse de siège. Parfait! Les toilettes sont prêtes. Vas-y, ma chérie. Par un peu d'intimité. J'ai envie de faire caca. Oh là là, ces toilettes doivent être bien vieilles. Et froides! Ellie est toute gelée. Aidez-moi! Que s'est-il passé? Le siège des toilettes est gelé. Que faire? Ah! Mon déjeuner préféré! Il me faut cette boîte à pizza. Pas besoin de cette boîte vide. Bingo! Regardez, je vais transformer cette boîte à pizza en siège pour les toilettes. Essaye de t'asseoir maintenant. Je ne veux pas m'asseoir sur ce truc tout gras. Alors, il faut trouver quelque chose de chaud et propre. Pourquoi pas des chaussettes? J'ai une idée. Heureusement que mes chaussettes sont assez élastiques pour passer sur le siège. Et maintenant? C'est chaud! Ellie ne veut rien de tout ça. Et Majordome est maladroit comme d'habitude. J'en veux pas! Ça va pas du tout. Majordome, faites quelque chose! Quelque chose? On dirait qu'Ellie a une demande particulière. Ah bon? D'accord. Un ouvrier? Que fait-il? Je vais juste rénover les barres de prison. Fini! Tada! Des barres de prison en chamallow? Waouh! Mon rêve est devenu réalité! Yes! Miam! Il y en a encore! Un bain de Skittles! Doucement, tous ces bonbons vont durer une éternité! Une sucette géante? Pas étonnant que Charlotte soit jalouse. Ça a l'air délicieux! Maman, je veux une sucette géante! Sucette? Voyons. J'ai mangé tous mes bonbons. Que vont-elles faire maintenant? Mais, regarde cette souris. Où vas-tu, petite souris? Tu vas dans un endroit intéressant? Est-ce que ce sont... Ce sont des morceaux de sucre? Waouh! Je peux en avoir un? Chut! Il me faut aussi la boîte d'allumettes de l'agent. Il a l'air bien occupé.
Voyons ce que maman mijote. Je vais ajouter du colorant alimentaire vert au morceau de sucre. Et le réchauffer avec une allumette. Il fond. Je lui mets un bâton de glace. Et voilà, une sucette. J'ai une surprise pour toi. Sucette! Quelle astuce créative! Manger du chocolat, c'est top! Mais pas quand on a les dents toutes tachées après! Regarde tes dents toutes sales! Va te laver les dents, ma chérie! Non, je veux pas! Plus de dentifrice! Oh, il va nous falloir un autre moyen de convaincre Ellie! Majordome! Oui, madame! De l'argent? Hein? Il y a une fente là-bas! Ça me donne une idée! Ce sont les fesses de Shrek? On peut se servir de Shrek comme bouchon de dentifrice? Shrek a une petite diarrhée mentholée! Waouh, c'est trop cool! C'est un bon moyen de rendre le brossage de dents amusant! Oh là là, elle a tellement de boutons! Dégoûtant! Je crois qu'il va falloir les éclater! J'y vais! Oh, oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, j'ai un coup de fil à passer! Qui maman appelle-t-elle? C'était rapide! Me voilà avec mon gadget! Il va aspirer le pus de tes boutons! Oh là là, c'est pas pour les âmes sensibles! Il y a tellement de pus! Ça prouve que ça a marché! Yay, mon visage est tout doux! Ouf! Il faut que j'y aille! Accrochez-vous, docteur! Charlotte ne peut pas s'empêcher d'éclater ses boutons! Le porridge de maman a une autre saveur! Dégoûtant! Arrête d'éclater tes boutons! Que va faire maman maintenant? Du papier bulle et du porridge? Je sais! J'injecte le porridge dans les bulles. Et je les peins pour qu'elles ressemblent à des boutons. Tada! Un éclateur de boutons fait maison! Waouh! C'est beaucoup mieux que d'éclater ses propres boutons. C'est super satisfaisant! Elle ne peut pas s'empêcher de continuer. Tu pourras te lécher les doigts plus tard. Oh, il y en avait beaucoup, là. On dirait que la famille riche a également droit au porridge aux insectes. Berk! Majordome! Majordome! Va nous acheter quelque chose de bon. C'est quoi ça? De l'argent? C'est bon, j'y vais. Que mijote l'agent? On dirait qu'il fait un trou dans le mur. Un logo McDonald's? C'est un drive! Deux Happy Meals! Merci, monsieur l'agent! Bon appétit! Leur propre McDonald's en prison. Que demander de plus? Elles ont même leur propre homme de ménage. Maladroit un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Le repas de la famille pauvre est un porridge aux insectes. Je vais goûter en premier. C'est... bon! Goûte! Berk! Je mange pas les araignées! Je veux ce qu'ils mangent! Hein? Des sushis? Pas mal! Je peux me débrouiller avec ce porridge. Que fabrique maman? Une boule de porridge! Maintenant, j'enroule du journal pour en faire des baguettes. L'eau sale ressemble à de la sauce soja. Itadakimasu! Voyons si ces sushis au porridge sont bons. Il y a un petit goût délicieux. Probablement la rouille du robinet.